Ah mais maintenant il est de retour ici lui. Oui, il y a les deux ensemble. Oui, d'accord. Du coup l'autre me sert à rien mais il y a qu'on est très content qu'il existe. J'avais un autre truc à faire, oui. Pouette, 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 pouette. J'attendais que tu reviennes. Vous fidez le minerai de Ultred, ainsi que le minerai de Super Blue. Je comprends rien, attendez, on m'a parlé d'un truc pourpre, purple. Pas pourpre, purple, violet. Et maintenant je suis du Super Blue. Qu'est-ce que c'est que ça? Et quoi? As-tu rencontré Kyo Malo? Oh waouh! J'aurais bien aimé être avec toi. Ah, je ne suis pas... Je ne suis pas... un grand forgeron de mon côté, hein, n'est-ce pas? J'étais tellement concentré sur le fait de faire quelque chose que je n'ai pas fait attention aux matériaux. Je n'ai même pas essayé d'apprendre quoi que ce soit les concernant. Ah, je vais m'en remettre au livre. Je vais me remettre à la lecture et je commencerai à forger une fois que j'aurai compris un petit peu mieux les matériaux. À utiliser du minerai de Super Pearl fait pour ça. Alors une fois que j'aurai du succès, j'aimerais bien que tu utilises mes armes. Tu veux bien? Ouais, bah, si tu veux, oui. Alors merci. Alors, je travaillerai extrêmement dur afin de t'impressionner. Oh, j'ai failli oublier. Voilà pour ta récompense. Merci beaucoup. J'espère que tu pourras l'utiliser. Très bien. Mais au final, j'ai toujours rien compris. Parce qu'on lui a filé un autre minerai encore que celui qu'on avait demandé. Je sais pas. Je ne comprends rien à cette quête. C'est pas grave. Visiblement, c'est quelqu'un qui n'a pas trop compris non plus ce qui se passait. Et qui est très contente parce que maintenant elle va pouvoir reprendre de la lecture et apprendre des choses. Donc bon. On lui souhaite bien sûr le meilleur. Qu'elle devienne un jour forgeron. Alors on va aller ici. La dernière quête qui nous reste dans le journal. Incroyable. Extraordinaire. Alors. Et qui nous permettra d'avoir un Mitama, hein, si je me trompe pas. C'était une quête qui nous a été filée par un esprit. Donc. Les bateaux. Petit bateau qui vogue sur l'eau. Je crois que c'est là-dedans qu'on a eu le premier document. Et je me suis dit, lui là. À mon avis. Ou lui. L'un des deux. Parce que tout ça, c'est beaucoup trop sur le côté. Donc allons vers le sud. Je viens du sud. Un dragon! Oh la vache! Je suis tombé sur un cul de sac. Très content. Il faut que je fasse tout le tour en vrai là, j'ai pris le mauvais côté. Bon bah on va d'abord chercher celui-là alors. Furusato niwa Stonehenge toyu iseki ga aru. Doko to naku karakuri iseki ni niteru na. Ouf. Je peux monter là? Oui. Voilà, l'ascension du bout du monde là. Ouf. Ouais, ça continue. Non. Eh.
Oh oh. Oh, c'était chaud. Ah, fouf. Alors, petit bateau qui vogue pas vraiment sur l'eau pour le coup, hein, mais... Oh bah c'était celui-là. Bon. Au final, on a eu de la chance. Alors, où est le Jean-Jean? Il est là, faut que je revienne sur mes pas. Après j'aurai un peu moins de montée à faire, un peu plus de descente, donc ce sera plus simple. C'est parti! Et où? Il est là! Ah, oh, tu es de retour! Et qu'est-ce que c'est, ces trucs là dans tes mains? Des documents historiques? Exactement ce que je voulais! Oh, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me les lire? Vous lisez les documents historiques à Sakamoto Ryoma. Oh, tellement de choses se sont passées pendant que je suis parti. Ah, il faut que je retourne dans la partie. Je ne peux pas m'asseoir comme ça tranquillement davantage. J'ai décidé. Je viens avec toi. Je veux voir ce qui se passera ensuite. Arrivons d'un bon gros rêve. Extraordinaire. Oula. Ce qui fait que je n'ai plus aucune quête. Extraordinaire. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas eu de trophée. Enfin, c'est bizarre. Je m'attendais à avoir un trophée de vous avez fait toutes les quêtes. Mais que voulez-vous que je vous dise? Peut-être qu'il y en a tout simplement pas. Hein. Parce que sur la carte, par contre, je ne vois plus d'autres quêtes qu'on pourrait choper. Je vois que des trucs comme ça, là. Et des opérations jointes. Et après, il y a peut-être un secteur de la carte que j'ai pas... que j'ai pas visité, mais je serais surpris. Parce que j'ai quand même l'impression d'avoir bien fouillé. Donc bref, je pense qu'on est bon pour les quêtes. Hein. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Ça, c'est beau. Maintenant, on va rentrer au village. Et on va pleurer du sang. Parce qu'on va tenter d'explorer des ruines en difficile. Et je vous avoue que ça me fait très peur. Mais bon. Est-ce qu'on est là pour se plaindre? Non, on est là pour tenter l'aventure. Mourir au palier numéro 3. Non, pire. Mourir au 10e palier. Ainsi se passera la vie. Bon. Vaincre Léonie. Mais par contre, ma quête là, j'avais lu qu'il était possible de la finir cette quête. Mais comment? J'ai pas l'impression en vrai. Attendez, je vais juste vérifier. Tukiden 2. Finish Captain of Maoroba. Alors, Captain of Maoroba Quest. Il n'y a pas vraiment d'objectif. À ma connaissance, la seule manière d'être plus fort que le grade 3 est de reforger de vieilles armes en fer. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire toutes les quêtes de la phase 7. Il y en a 32. Et ça va compléter la mission. Bah non. Visiblement non.
Visiblement non. Alors peut-être que ça le fait plus, je sais pas. Ou alors peut-être que ça reste là, même quand on a terminé. Hein. Qui sait. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce que j'ai de la thune, moi? J'ai de la thune, est-ce que j'ai des armes que je peux reforger? Non, ou des armures. Est-ce qu'il y a des armures que je peux créer? Calamity. plus 32 de défense. Ok, ça m'a repris toute ma thune. Meilleur chapeau. Ça m'aura pris toute ma thune, mais j'ai bon espoir d'avoir maintenant plus d'armure. Alors j'ai 32 en aiguille, c'est pas grand chose. Par contre j'ai 1151 en armure, et ça c'est beau. Et niveau défense élémentaire, on est pas mal. Hein. Plutôt cool. Il y a même des petits yeux sur le chapeau, c'est énorme. Alors, on va par contre changer l'arme. J'imagine que c'est dans l'ordre des zones hein, qu'on a les explorations, donc ça commence avec Age of Peace. Age of Peace, moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les Wind Shredder. Donc on va prendre quelque chose de type... De sorte. On va prendre quelque chose de type terre, pour pouvoir les dégommer. Et au niveau de mes Mitama, bon, j'ai appris quelques compétences, mais c'est pas non plus la folie. Onslaught devient plus long. Ça, Osef. Vigueur, c'est quelle compétence? Ah, c'est mon ulti. Faire ça. Lui, je suis toujours à deux trucs. Quand j'utilise un destroyer ou une capacité spéciale, ça s'active. Ok. Lui, il est maxé, j'avais déjà vu. Ok. Bon, ça va être chaud du steak. Hein. Allons-y. C'est bien les ruines de la paix. Qui sont là pour commencer. On va commencer par les 10 étages pré-réglés. Donc, on rappelle que les étages pré-réglés, c'est un challenge donné avec... la seule fois où on a refait les 10 étages pré-réglés d'un endroit, on est tombé exactement sur les mêmes onis. Donc, je vais partir du principe que c'est les mêmes onis à chaque fois. Par contre, quand c'est infini, c'est du gros random. Clairement. Remarque, on va peut-être plutôt faire le random d'abord, non? Parce que c'est vrai que le pré-réglé, ils peuvent réserver des mauvaises surprises en mode « Bonjour, cette fois, ça va être chaud sa race. » Donc faisons d'abord l'infini. Atsuo, Manazuru, Gwen. Allons-y. Bien sûr, ça fait peur. Ça fait peur. A noter que l'infini, on pourrait très bien s'arrêter à 5 étages. C'est vraiment une tradition perso d'avoir fait 10 étages à chaque fois. On précise. Bonjour. Bon bah, c'est le retour du difficile. Alors lui, il est quand même signé comme un bas niveau par rapport à nous. Oh, il a le petit visage vert. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que son bouclier, on l'a quand même réduit assez vite en charpie. Allez, on passe au non-offensif. C'est ce qui va nous permettre d'augmenter bien comme il faut notre jauge d'armes. Augmenter notre jauge d'armes, c'est très très important parce que nos destroyers sont quand même puissants.
On va faire des bons dégâts avec, en plus d'affaiblir le holo, naturellement. Excellent. Énergie agilité. Je regarde mieux, beaucoup en concentration, c'est cool. Boost d'attaque, potion offensive. Allez, on balance la sauce. Les stuns par subjugation, je peux faire mon coup chargé du coup. Excellent. Alors on sent que ces trois Mitama, ils sont faits pour travailler ensemble, quoi. Ils ont été designés pour. Ce qui fait rudement plaisir. Ça va être mon build de Mitama qui est en rapport avec mon type d'arme. Point. Parce que du coup la subjugation marche très très bien sur le fait de faire un mouvement spécial pour notre mouvement chargé. Et vu que la charge va plus vite, c'est grâce à Arthur. Enfin voilà, les compétences se parlent les unes aux autres, quoi. C'est merveilleux. Bon, en effet, il s'est bien passé, hein, celui-là. Clairement. C'est très très bien passé. On a utilisé quelques compétences, mais vraiment pas beaucoup. Ici, on est sur du orange. C'est pas le même délire. J'imagine que les niveaux des mobs sont eux aussi aléatoires. Je peux encore lui enlever quelque chose. De manière définitive. Excellent. Il est orange, on va faire un ulti. Ouais, je regagne pas mal de barres de jauge offensive aussi. Passage. Ça me fait tellement plaisir d'avoir des Mitama qui ont une bonne synergie. Parce que j'ai fait beaucoup de combinaisons de Mitama au hasard. Parfois on est bien tombé, parfois pas. Mais là on sent que c'est fait pour. Ça c'est tout bonnement merveilleux. Ok, ça a touché. Maintenant je peux prendre ce truc là. Bien sûr très intéressé par le fait de prendre un maximum de pièces d'équipement sans mettre en danger la mission. Dans la mesure où... Voilà. Dans la mesure où ça nous permettra de crafter des armes, des armures. Et un tout autre rang pour les prochaines ruines. Thank you.
Oh, les dégâts que ça fait. Heureusement qu'on a Manazoru qui enlève les altérations, qui soigne, fait tout le taf.